Bonjour, bienvenue à l'émission Entrevue. Aujourd'hui, je reçois Sophie Roland qui travaille à la clinique Reversa. Bonjour Sophie. Bonjour Marie-Hélène. Euh, je vais te demander que, quelles sont tes fonctions euh, chez Reversa. Je suis assistante médicale. Ce que ça veut dire être assistante médicale, c'est que les gens qui viennent à la clinique, qui sont avec nous pour une période de six mois, et euh, on leur apprend à s'alimenter différemment pour renverser leurs problèmes métaboliques et euh, leurs maladies métaboliques, le diabète, la haute pression, euh, la fibromyalgie, la fatigue chronique. Évidemment, il y a des gens qui viennent aussi parce qu'ils sont en surpoids et ils ne se sentent pas bien. Euh, donc, euh, on les assiste pendant une période de six mois pour faire de la rééducation alimentaire, puis leur montrer à s'alimenter différemment. Aujourd'hui, on va parler ensemble du fameux temps des fêtes oui. versus l'alimentation cétogène. Oui. Parce que la majorité des gens ils ont un stress euh, un stress durant la période des fêtes, à savoir euh, qu'est-ce que je vais faire euh, durant les parties, mm -hmm. euh, comment je vais m'organiser. Oui. Euh, euh, ils ne veulent pas prendre de poids en même temps. Oui. mais euh, Ils ont des inquiétudes. Oui. Qu'est-ce que tu suggérais, toi? En fait. Je vais commencer par dire que c'est normal d'avoir des inquiétudes. En fait, on dit que ça prend euh, 30 jours pour acquérir une nouvelle habitude, pour commencer à s'entraîner, pour changer son alimentation. Mais la courbe d'apprentissage, elle, elle est vraiment plus longue. C'est plutôt une courbe d'apprentissage qui se fait sur 12 à 18 mois. Ce que ça veut dire par là, c'est que oui, tu vas prendre une nouvelle habitude en 30 jours, mais il faut passer à travers différentes étapes avec cette nouvelle habitude-là pour qu'elle perdure dans le temps. Prenons l'alimentation, c'est un excellent exemple. L'approche des fêtes, c'est encore un exemple encore plus éloquent. Là, on craint parce que c'est Noël et le jour de l'an, mais c'est la même chose à la Saint-Valentin, c'est la même chose à Pâques, c'est la même chose pendant la semaine de vacances qu'on prend, c'est la même chose quand c'est notre anniversaire de mariage, quand c'est le souper que les filles du secondaire. Là, il existe plein d'occasions. Mais qu'on ne pense pas que c'est là, c'est la panique parce que c'est le temps des fêtes. Oui, voilà, voilà. Et là, c'est certain que notre alimentation vient un peu faire en sorte qu'on se questionne. Au début, on est souvent très, très, très motivé. On n'a pas oublié pourquoi on le fait, parce qu'on est motivé au départ. Quand on fait un changement, que ce soit alimentaire, sportif, il y a une motivation derrière ça. Passer à travers ces étapes-là, le Noël. Je me souviens de mon premier Noël. Ça faisait quelques mois que j'étais cétogène. J'étais très motivé. Ça m'inquiétait même pas. Je me disais, ah, oh, je vais manger de la dinde, je vais manger du beurre, puis c'est comme, j'ai pas besoin de manger de la bûche. Des fois, on se dit des choses comme ça. Mais dans la courbe d'apprentissage, il y a aussi quand on est fatigué. Il y a aussi quand on a atteint certains de nos buts. Qu quand ce changement-là devient ta nouvelle normale. Au début, tu fais des changements, tu es, t es très, très structuré, très motivé. Tranquillement, pas vite, ce changement-là devient ta nouvelle normale. Et là, tu te questionnes moins sur comment le faire, tu le fais beaucoup plus naturellement. Et c'est là, dans la courbe d'apprentissage, où tu dois réapprendre à passer à travers ces différentes étapes-là. Et là, tu sais que même quand tu es fatigué, même quand tu as eu des mauvaises nouvelles, quand tu as été très, très, très stressé, que tu es capable de traverser ces périodes-là avec ta nouvelle normale. C'est ça, la courbe d'apprentissage. Okay. Bon, oui l'approche de Noël, mais c'est certain que c'est insécurisant parce qu'il y a des gens qui veulent pas le dire à tout le monde. Ils y, y veulent un peu passer inaperçu. Oui, Et... ou ils ne veulent pas aussi, euh, comment je pourrais dire ça, décevoir euh, s'ils sont invités euh, dans la famille, décevoir euh, les gens s'ils le ont préparé telle ou telle chose, ouais, qu'ils ne peuvent pas euh, as raison. en manger. Oui, tu as raison. Il mmh. ne faut jamais oublier qu'on est humain. Hein. Ouais. puis Il faut avoir beaucoup, beaucoup de compassion envers nous. On amorce un changement qui est, qui est à 180 degrés euh, et ça, ça fait en sorte que on veut pas être parfait, on veut juste se pratiquer pour être meilleur. Donc, il y a différentes façons qu'on peut s'aider à être meilleur. Exactement. Puis, euh, est-ce que tu suggères toi de apporter, euh, je sais pas moi, euh, se faire un, un cétogène, la portée... Tu vois, dans mes petits trucs, là, mettons, ouais. on, veut, on veut rester c'est tôt, puis on On veut rester c'est tôt et on se questionne de comment le faire. Je dirais, d'abord, il faut se connaître. Il faut connaître ses limites, il faut connaître ses envies, et il faut connaître ses démons. Moi, personnellement, je suis capable de manger deux chips. Ça me dérange pas. Je vais en manger une, je vais en manger deux, je suis capable d'arrêter. Oui, Un gâteau au chocolat, devant moi, Prendre juste une bouchée, ça c'est mon démon à moi. Okay. Je vais manger le morceau complet et là je vais me dire, ah, oh, je l'ai mangé. Pourquoi pas goûter à tarte au sucre à côté? Pourquoi pas goûter euh, aux pêtes de soeur à côté? Puis ça, c'est mon démon. Moi, mon démon, c'est le sucre. Je sais que je ne peux pas toucher quand au on, sucre. C'est Voilà. Mais il y a d'autres gens que c'est les chips, il y a d'autres gens que c'est les pretzels, oui. il y a d'autres gens que c'est les arachides. On a chacun. Donc, se connaître, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite de ça, c'est d'être capable d'accepter que c'est la vie. Puis, une fois n'est pas coutume. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Si ça ne déclenche pas quelque chose, si le fait de dire « au souper de Noël, je vais manger normal » et qu'on est capable de reprendre le fil le lendemain matin, il n'y en a pas de souci. Okay. Si au souper de, hein, si de Noël, ça déclenche quelque chose, on se connaît tous, on connaît nos limites, si au souper de Noël, ça déclenche quelque chose, puis le lendemain, c'est le lendemain de Noël, puis le lendemain, c'est le surlendemain de Noël, puis là, on dit « tant qu'être rendu là, je vais me rendre jusqu'au premier, puis je vais recommencer le 6 janvier », c'est ça. Donc, une fois n'est pas coutume, ça, ça, ça fait pas de mal à la personne. C'est quand cette coutume-là devient la généralité puis que ça perdure dans le temps. Revenir en ligne, ça, ça peut être plus difficile. L'autre facteur que je vais ajouter, il y a des gens qui vont dire bah si je reprends Saint-Liz, ce n'est pas grave, je vais le perdre en janvier. C'est pas juste une question de perte de poids. Quand les gens sont métaboliquement malades, qui sont en train de renverser leur diabète, qui sont en train de renverser leur hypertension, qui c'est des gens qui ont la fibromyalgie, la fatigue chronique, se, se déroger de leur alimentation qui leur ramène de la santé, okay. ça peut faire en sorte que pour le diabétique ça va remonter sa glycémie artificiellement pendant longtemps. Pour la personne qui fait de l'hypertension, sa pression va, re, va remonter pendant encore quelques jours, quelques semaines. La personne qui fait de la fibromyalgie, là, ça peut refaire venir ses douleurs pendant quelques semaines. Elle était soulagée et là, parce qu'elle va avoir ramassé un, un, un morceau de tarte de grand-maman qui est qui est si dé délicieuse, va faire en sorte que ça va refaire venir ça. Chez les gens qui ont de la fatigue chronique, c'est le bouillon mental qui peut revenir pendant quelques jours, quelques semaines. Ce n'est pas juste une question de, oh oui, je peux reprendre sans clé, puis je vais le perdre en janvier. Il ne faut pas oublier les motivations qui ont fait en sorte pourquoi on a changé notre alimentation. Exactement. On a tous un contexte différent, on se bat tout compte des conditions différentes. Quelqu'un qui se bat contre une résistance à l'insuline, qui est en train de gravir les échelons pour retrouver la sensibilité à l'insuline, on peut dégringoler rapidement, là, juste par un morceau de tarte au sucre. Mmh. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance et décider quest ce qu'on fait. Mais j'ai quelques trucs. <laughs> Vas-y, j'écoute. Je, <laughs> euh, je vais parler du jeûne. Et ce jeûne-là doit être appliqué dans un contexte personnel. Ce que je veux dire par là, il y a des gens qui vont dire Moi, je vais jeûner toute la journée et ça va me donner de la marge de manœuvre pour mon souper. Il ne faut juste pas oublier que la faim, c'est un signal puissant. Quand on a faim, on a vraiment moins de facilité à gérer nos émotions et à faire des choix euh, adéquats. Alors, la personne qui est capable de jeûner toute la journée puis de contrôler son assiette au souper puis de faire des choix en tenant compte que c'est la vie puis que c'est Noël, pas de problème. Chez d'autres personnes, ça va être plus important de déjeuner, de dîner, de, man de bien manger pour quand on va arriver au souper, elle ne soit pas affamée, pour qu'elle soit capable de prendre des décisions. Fait que ça, faire ou pas le jeûne, je vous dirais l'appliquer dans votre contexte personnel. Ça dit, faut vraiment bien se, se, se connaître. Là. Ah oui, c'est la clé du succès. C'est vraiment la clé du succès. Mon deuxième truc, manger gras. Augmenter notre quantité de gras. Le gras ça l'amène de la satiété. Quand on est à satiété, quand on est repu, on est moins enclin à être fragilisé par le morceau de gâteau qui est à côté, la bûche de Noël, où on est plus, c'est plus facile de se contrôler, de grignoter dans les chips, dans les... Parce que c'est l'abondance de la nourriture, il va en avoir partout, tout le temps, là, du matin jusqu'au soir. Si on prend du gras, on va être rassasié, ça va aider, en fait, à contrôler ces rages de faim-là. L'autre truc, tu l'as nommé tantôt, s'amener un truc, c'est tôt c'est une solution en soi, parce qu'on ne veut pas être complètement mis à part. Donc, on peut amener nos pains, on peut amener nos craquelins, il va toujours y avoir des fromages, des olives, il va y avoir des noix, il va y avoir de la viande, du beurre. Il y a toujours moyen de s'en sortir dans un repas de Noël, de faire des choix, mais on amène ce qu'il faut pour compléter ça, pour être dans, dans le mouvement. On peut se faire un dessert qu'on aime, un dessert seto. Tu sais, on dit toujours en seto que... Les, les sucreries, cette eau, oui, une fois de temps en temps, mais Noël, c'est l'occasion idéale pour être une fois de temps en temps. Exactement. Ouais. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir de sentiment de culpabilité non plus d'arriver avec ces choses. Les gens vont comprendre, puis s'ils ne comprennent pas, c'est notre choix. Non? Oui, voilà, on, on travaille fort, euh, ceux qui, qui mangent euh, cette eau. Euh, on travaille fort quand même pour euh, au se quotidien. rendre heureux, oui. oui, au quotidien. Donc, euh, c'est notre choix personnel. Oui. Donc, on n'a pas à se sentir coupable. Non, pas se sentir coupable, puis se rappeler nos motivations. Pourquoi on vrai. le fait? Je répète encore, là, mais quand ton changement est devenu ta nouvelle normale, c'est là où tu as plus de faiblesse. Parce que t'as oublié d'où tu pars. T'oublier tes victoires au fur et à mesure, la médication que tu tomber ici et là, les quelques centimètres de taux de taille, que la clarté mentale qui est revenue, ton sommeil qui est devenu de plus grande qualité, quand c'est devenu ta nouvelle normale, tu remarques plus ces petites victoires-là. C'est important de se les rappeler une fois de temps en temps. Ça nous rappelle d'où on part, ça nous donne le chemin où on s'en va. Exactement. Puis aussi, il faut euh, éliminer le stress là, du temps des fêtes parce que ça aussi, c'est pas bon pour euh, le cétogène. Bien, en fait, le stress, c'est pas bon pour personne. Mm. Le stress, ça fait sécréter du cortisol. Puis le cortisol, ça fait en sorte que le, on relâche du glucose dans la circulation sanguine pour pallier à ce, ce moment d'urgence-là. Fait que le cortisol, c'est jamais, 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 jamais. <laughs> Une bonne chose, à moins qu'il y ait un ours qui nous court après. <laughs> Mais là, ça ne sera pas le cas. Donc, dans ce cas-ci, oui. Accepter le moment, se trouver des petites solutions ici et là. Ah, j'ai oublié un truc. Ouais, okay. Oui. Des fois, là, on peut juste se fixer un but. Je pense à la tour... Je pense à la tourtière d'une de mes tantes. C'est est la meilleure tourtière que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Et chaque année, j'ai hâte au 25 décembre pour manger la tourtière. Alors qu'il y a un buffet complet, et moi, je mange la moitié de la tourtière, <laughs> ben, je mangeais plutôt, c'est avant d'être cétogène. Mais je pourrais, par exemple, me fixer comme but de dire je vais manger cétogène, je vais choisir la viande, je vais choisir les légumes, les olives, le fromage, les charcuteries, tout ça. Mais je me permets une pointe de terre, une pointe de tourtière de m'attendre parce que c'est quelque chose dans. Et je me fixe ça comme but. Le fait de se fixer ça, cette limite-là, ça encadre notre envie. Puis on peut même partager ça avec quelqu'un en qui on a confiance pour nous aider à nous rappeler. Comme quand ah. on est sur le bord de déroger, ces gens-là sont en mesure de nous aider, de dire Tu n'avais m'avais pas dit que tu avais un but. Ça, ça peut nous aider. Ce, juste le fait de dire « Ok, oui, c'est Noël, je vais me permettre tel truc dans telle quantité, puis pour le reste, je vais rester cétogène. » Puis ça, ça fonctionne très, très bien aussi. Ah ben merci. Merci, euh, Sophie, de nous avoir partagé euh, ces trucs-là. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens que ça va leur aider, ça va leur enlever un, un, stress. un poids, un stress, un poids sur les épaules. Et... Euh, L'équipe de Mélune Mélune vous souhaite un joyeux temps des fêtes avec euh, pas de stress pour ceux qui sont cétogènes. Et euh, moi, je vais revoir euh, Sophie oui. dans la bon, prochaine hein. émission. Merci.